d'une belle petite course qui va se faire. Je pense que c'est un 5 km que nous allons faire, tout le monde ensemble. Nous allons courir et l'initiative vient d'une demoiselle qui avait à cœur un beau projet. Moi, je pourrais en parler, mais je pense que mademoiselle Elisabeth en connaît encore plus que moi sur le sujet. Et j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement pour qu'on crie très, très fort tout le monde. On la motive! Alors, moi, je crois que les gens sont impliqués. Ils ont des beaux projets. Il faut juste leur laisser la possibilité de le faire. Et bravo à toi. Il y a plein de gens qui t'ont présenté, mais je te présente en premier à toi. Mais bonjour, premièrement. Merci d'être venu participer à la galopade d'hiver et merci à ceux qui sont venus dans le cadre de mon projet personnel. En fait, j'explique brièvement. J'ai couru un marathon le 11 octobre dernier pour les enfants malades du Québec, ramasser des fonds pour la Fondation Charles Bruno. Mais mon projet, il part de la petite fille qui est à côté de moi, Nora. C'est à cause d'elle que j'ai choisi de m'impliquer en tant que... Ben, dans le cadre de notre projet, en fait, puis Nora, elle a eu un cancer, puis c'est grâce à elle que tout est possible, que tout est réalisé aussi. Puis, en fait, je voulais vraiment que mon projet aille une importance aux yeux des gens, puis je pense que c'est la bonne manière, parce que Nora, aujourd'hui, est en rémission, puis j'ai réussi à courir mon marathon, puis aussi, en plus, je suis près de mon objectif de 5 000 $. Donc, je pense que en montrant tous ces aspects-là de mon projet, on peut voir que tout est possible. Puis c'est vraiment l'espoir que je voulais avoir dans mon projet personnel. Puis merci vraiment beaucoup à tous de vous être déplacés aujourd'hui. Je veux féliciter Elisabeth et je veux remercier tous les gens qui chapeautent ces projets-là au collège. C'est 88 projets personnels qu'on a à Valeurs humanistes. Celui d'Elisabeth est un projet vraiment intéressant qui rallie beaucoup de gens du collège. Sa superviseure est Mme Marie-Hélène Gagnon qui est présente ici et qui va courir avec nous. M. Pelletier qui est enseignant s'occupe de l'organisation aussi de ces événements de la galopade. M. Stéphaniel qui est le papa de Noraï qui est enseignant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très familial, tout ça. Puis je veux particulièrement féliciter Elisabeth pour son éloquence, sa facilité à communiquer, puis aussi, surtout, son altruisme. Elle demande vraiment des compétences incroyables pour une élève de 5e secondaire. Donc, on s'en va courir, on va aller se réchauffer un peu en courant un 5 km. Oui. Bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir pour cette très belle journée d'hiver. Et c'est le tournoi de Ballon Ballet, mais lorsque notre ami de la galopade nous a demandé de venir s'impliquer avec nous, c'est avec joie qu'on nous dit oui, et je pense que le résultat est là. Bonne course, bonne journée de Ballon Ballet, belle activité à tous. Go! Et c'est un départ! Notre premier coureur, mesdames et messieurs, arrive de notre course. Alex Véro. Ouais, de? Saint-Lin. Et tu vas à quelle école? Collège Jean-Pierre Blondin. Et félicitations encore. Merci. Bravo à toi. All right.
passé. On fait des randonnées entre amis, là, des regroupements là, à travers le Québec. Ah ouais. 5, 6, 7, 8, 4 en avant, 4 en arrière, 4 en avant, 4 en arrière, par-dessus le pont, par-dessous le pont. Non, avec les autres, par-dessous le pont. Par-dessus le pont, par-dessous le pont.